Voici un bébé kangourou. Pas si mignon que moi. Et voici un bébé panda. Pas si mignon que moi. Ici, on voit un bébé rhinocéros. Pas si mignon que moi, ça c'est sûr. Oh, j'adore voir les animaux à la télé. Tu pars quand déjà, Nermal? Tu peux utiliser le mot « maintenant » dans ta réponse. Bah, dans quelques semaines. Tu sais quoi, Audi? J'en peux plus. Vivre en compagnie de Nermal nuit à ma santé. Regardez, 27 bébés pingouins. Il n'y en a pas un aussi mignon que moi. Et soyez nombreux pour notre grande émission de demain pour élire le plus mignon chat du pays. Dans toutes les grandes villes, on fait déjà la queue pour concourir. Qui remportera le titre et le trophée? Le trophée du chat le plus mignon. Waouh! Mon dernier prix du chat le plus mignon, c'était mardi. Et le chat vainqueur gagnera aussi un séjour de 6 mois au Groenland, tout frais payé. Au Groenland? Nermal au Groenland? Loin, loin au Groenland! C'est loin, loin comment le Groenland? Bon, peu importe, ce sera toujours assez loin. 6 mois sans Nermal. Il faut absolument que je gagne ce concours. Oui, il faut absolument que tu gagnes ce concours. Ben, qu'est-ce que t'attends, Nermal? Allez, allez, on t'inscrit. Il y a des vols pour le Groenland toutes les heures. D'accord. Je m'inscris au concours dès demain et je vais gagner. Et tu sais pourquoi, Garfield? Bien sûr. Parce que c'est toi le chat le plus mignon de toute la ville. Et bientôt le plus mignon du Groenland. Je prends ma responsabilité de juge au sérieux. Je veux pouvoir lancer une mode, influencer les goûts des gens. Je veux redéfinir le mot mignon. La mode change, les styles changent. Le mignon doit changer. Le mignon est moche, vraiment moche, trop moche. Moche comme une... ça. Le contraire de ça sera le nouveau mignon. Oui, mignon. Le contraire de mignon? Mais comment puis-je être le contraire de mignon? Tu sais ce que c'est le contraire de mignon, Garfield? Toi! Oh. J'abandonne! Je gagnerai jamais ce concours! Oh. Je gagnerai plus jamais aucun concours! Autant rester devant la télé toute la journée! Chez toi! Non! Ne renonce pas maintenant, Nermal. Pense à la gloire, pense au trophée. Pense aux 6 mois de vacances là-bas, au Groenland. Mais ma beauté, c'est tout ce que j'ai. Comment est-ce que je pourrais devenir moche? Hey, je peux t'entraîner pour la compétition de demain. Mais il faudra travailler dur. Allez, allez, on n'a pas une minute à perdre. D'abord, les bonnes manières, d'accord? Il faut t'en débarrasser. Montre-moi comment tu manges des lasagnes. Allez. Oh, non, 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 non! Trop mignon! D'abord, tu laisses tomber les couverts, c'est compris? Observez, apprends. Voici la façon moche de manger des lasagnes, Nermal. Garfield, fais attention, t'as plein de trucs sur les joues. Et voilà le travail. Allez à toi, Nermal. Allez, fais ton moche. Trop mignon. Il manque quelque chose de moche, voire quelque chose de dégoûtant. Je sais, une langue de chien. Audi, va faire un bisou. Audi, arrête. S'il te plaît. Audi, mais... Tu t'es fait un copain, Audi? Nermal, tu es si mignon. Ouais, ça va prendre plus de temps que prévu. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Nermal, tu sais jouer avec ça. Bien sûr. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça me dégoûte.
Faux. T'as tout faux. Laisse-moi te montrer ce qu'un chat moche fait avec une babale. On s'en sert pour se débarrasser des chiens neuneux. Audi, bon, va chercher. Bon, au moins, il n'y a pas de doute, ça, c'était moche. Nerman et Audi dans une poubelle, comme c'est mignon. Vous jouez à cache-cache dans les ordures, c'est ça? Décidément, quoi que tu fasses, t'es trop mignon. Je suis maudit, voué à une vie de beauté éternelle. Jamais je ne pourrai être moche. Tu peux le faire, tu vas le faire. Pense à ton voyage au Groenland et à ma tranquillité. Un peu de ça aussi. Oh, et de ça aussi. Mais attends, c'est dégoûtant. Oui, bien peu de ça. Allez. On mélange bien. Garfield, mais qu'est-ce que tu fabriques? On se calme, je te fais un maquillage de moche. Pourquoi faire tout ça? Ça, Nermal, c'est la dernière étape de ton voyage au pays des mouches. Enfin, je veux dire des moches. Voilà, t'y es. Je pourrais pas mettre un petit peu de déodorant au jasmin? Non. Oh, mignon, très mignon. Mignon à vomir. Je veux voir ce nouveau genre de mignon. Celui qui défie les conventions. Celui qui nous dit: je suis si mignon que j'ai pas peur d'être moche. Bon, tous les goûts sont dans la nature. Montre ce que t'as dans le ventre, Nermal. Et pense à la récompense. Et moi, je pense surtout à son billet pour le Groenland. Ça sent le buffet. On dirait 37 ingrédients différents, avec des côtelettes premier choix saignantes, des patates douces et un soufflé au chocolat et aux framboises. Audi, Audi, ça te dérange pas de garder un œil sur qui tu sais? Parce que moi j'ai affaire. Bonté divine, quelle horreur! Serait-ce là, Nermal? Qu'est-ce que c'est que cette puanteur? Nermal, tu viens d'aller passer des vacances dans une poubelle ou quoi? Un miracle, c'est exactement ce que je voulais voir! C'est nouveau, audacieux! Oui, une beauté toute nouvelle! Petit chat, je crois que je vais te choisir! Alors, qu'en es-tu? Ouais! J'adore, oui, j'adore! Délicieux, mon ami, ce petit goût croquant! Puis j'avais tort. C'est 38 ingrédients qu'il y a! Et la côtelette premier choix, oh, elle est à point! Les chats, rends-moi cette tarte meringuée au citron! Oh non, celle-là, c'est la tarte banane chocolat! Ça, c'est la tarte meringuée au citron! Attrapez-le! Arrêtez ce chat! Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle ère pour la beauté. De nouveaux canons loin des sentiers battus, longue vie aux moches. Oh là là, j'y crois pas. Je suis pas seulement le chat le plus mignon du monde. Maintenant, je suis aussi le plus moche. C'est donc avec une grande fierté et pour un tarif raisonnable que je suis fier d'annoncer que le gagnant du concours est... Arrêtez ce chat! Vous avez mis à bas tous les vieux concepts de la beauté. C'est mon trophée. Je suis si moche que j'en suis mignon. Garfield, j'étais censé gagner, regarde-moi. C'est moche, t'es pas mauvais perdant, non? Garfield. Vous ressemblez à une poubelle, mon cher. Oh, merci, monsieur, ça me touche beaucoup, merci. Au moins, je gagne 6 mois sans Nermal. Attachez vos ceintures. Nous allons bientôt atterrir au Groenland, où la température extérieure est de moins 50 degrés. Moins 50 degrés?
Même mes esquimaux au chocolat, ils sont pas aussi froids. Hey, là, là. Faut juste que je pense que je suis à 10 000 km de Nermal. 6 mois entiers de paix et de calme. Salut Garfield! Nermal? Non! Tu n'es pas Nermal! Mais qui es-tu? Thermal! J'ai gagné le concours du chat canadien le plus mignon. Et moi, c'est Germal. J'ai gagné le concours du chat le plus mignon du Mexique. Moi, c'est Vermal. J'ai gagné le concours japonais du chat le plus mignon. Bienvenue! Comment ça? Bah. Nous avons tous gagné au concours du chat le plus mignon dans chacun de nos pays, c'est trop cool, non? Et nous allons tous passer 6 mois de vacances ensemble. C'est notre Caramba, il est pas si mignon que ça. Ouais, et il a gagné, c'est complètement dingue.